Oh, c'est Cécile. Coucou maman, je peux te confier les enfants? Oui. Ah super, bah, t'as qu'à les emmener avec vous au Portugal, ça leur fera des vacances. Bisous. Ah mais j'ai tellement hâte de voir la maison. C'est la merde. La maison est pas finie. On est au milieu d'un chantier, Olivier. Ils profitent de la vieillesse des gens. Les vieux, ils sont plus naïfs que les autres personnes. C'est comme pour vous. Allez-y, monsieur Alves, à travailler, à tirer sur la corde. Bon ben voilà, ça recommence, moi je comprends rien. Je parle aussi bien français que vous. Peut-être mieux. Monsieur Alves nous propose de terminer les travaux. Il est où le petit? Mais dis donc, il fait popo tout seul. Oh, pour pas traîner, pour pas se faire gauler. On va y aller, pas se faire engueuler. Oui ma chérie, Félix et Juliette vont bien. Attendez, ils sont où les enfants? Bon ma chérie, faut vraiment que je te laisse. Patou va monter ton petit lit. Et hop là. Oh non, oh non. Oh putain. Oh putain. Je reste pas une seconde de plus dans cette maison. Je passe les pires vacances de ma vie dans un pays où on n'arrête pas à m'emmerder. Eh ben dis donc. Oui non mais les gens se gardent n'importe comment ici. Ton petit lit est monté. Ah tes enfants. Figure-toi qu'ils s'amusent. Ah ils s'amusent. Je crois qu'ils se sont rendus compte de quelque chose. Oh non, non, non. Oh, il est pas chou, mon petit lardon. Tiens, pose-toi. Avec le flash. Ah oh, c'est rien, mon petit. Qu'est-ce qui se passe, là? Il s'est réveillé d'un coup, là.